Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel comment dégraisser une maquette. Alors j'ai voulu faire cette petite vidéo, quelque chose de très très simple, mais pour moi qui est très important. Alors peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais avant la mise en peinture, vaut mieux faire un petit dégraissage de la maquette, ce qui va permettre à la peinture de mieux s'adhérer et d'être beaucoup plus fluide. Donc pour ça, c'est très simple, je vais vous montrer ce que j'utilise. Dans un premier temps, j'ai récupéré un spray pour nettoyer les vitres que j'ai bien nettoyé. Ensuite, je viens ajouter une petite goutte ou deux de produit vaisselle avec de l'eau et on remue le tout. Dans un premier temps, nous allons venir mettre le produit vaisselle avec le spray sur l'intégralité de la maquette. Donc pour certaines personnes, ça paraît peut-être assez brutal, mais pourtant, c'est vraiment important. Ensuite, ce que je fais, une fois que vous avez bien pulvérisé toute la maquette avec le produit vaisselle, je vais venir appliquer avec un pinceau à poil souple la maquette. On va venir brosser pour bien que le produit nettoie tous les petits détails de la maquette. Donc si on prend un pinceau à poil raide ou quelque chose de trop dur, et si vous y allez trop fort, vous risquez de faire sauter les détails de la maquette, donc les photos des coupes, tous les petits détails. Ensuite, une fois que vous avez bien passé le petit balai partout avec votre petit pinceau, vous avez bien nettoyé, je viens mettre de l'eau propre. Alors j'ai bien nettoyé mon pinceau et dans un petit pot avec de l'eau propre, on vient essayer d'enlever tous les petits surplus de produits vaisselle. On vient en fait rincer tout simplement la maquette. Ensuite, je viens prendre mon aérographe et je viens sécher toute la maquette. Vous pouvez aussi utiliser le sèche-cheveux. Je sais qu'il y en a qui utilisent le sèche-cheveux. Alors je sais aussi qu'il y a des personnes qui sèchent les grappes. Alors moi je fais pas ça parce que au final je me dis que ça sert pas à grand chose, parce que même quand on reçoit une boîte de maquette, on l'ouvre et on dégraisse la grappe, ça suffit pas parce que de toute façon on la reprend après. Et en général, si on l'a fait en plusieurs fois, eh bien, on mange entre temps, on touche des choses grasses et du coup la peinture elle adhère beaucoup moins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est quelque chose de très très simple, mais vous verrez, vous aurez de plus belles finitions sur vos maquettes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis!